Chers amis, bonsoir. Tout d'abord, Erev Tov à tous, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée d'études ensemble. Tous les mercredis soirs, on a l'habitude de se retrouver maintenant. Ce soir, j'aimerais rappeler la mémoire, puisque c'est la Hiloula ce soir, de Rav Menachem Ben Mendel Schneerson, le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik VeKadosh Barucha, grand tzadik de notre génération, qui... Et donc ce soir et sa Hiloula, ce soir et demain, je vous demanderai donc ce soir et demain d'allumer des veilleuses afin que son mérite puisse vous protéger, nous protéger tous. Zechuto yagen alenu. Ça c'est la première chose. Je voudrais aussi dire combien je suis heureux d'abord de vous retrouver et rappeler la mémoire de plusieurs neshamot. Que ce Dvar Torah soit l'Eilu Nishmat, Rav Shalom Edelman Bar Ben Slava, le grand tzaddik de notre. De Casablanca, Lucien Mechlouf Ben Raphaël Cohen, Ari Haïm Ben Simcha Perez, Yamin Ben Sarah Perez, Simcha Bat Ordonia Perez, Amram Ben Elise Rumi, Kati Rohama Bat Simcha, Phoebe Bat Sulipka, Meir Ben Yosef Abigzer, Michel Yaakov Ben Gotha, Elfa Shlema Rivka Bat Hasiba, Ruth Bat Hasiba, Hasiba Bat Phoebe, Enes Bat Myriam. Ainsi, bien sûr, on pense à tous les malades du Ram Israël, bien entendu, dans leur intégralité. Chers amis, ce soir, j'ai choisi un thème assez difficile. Pourquoi? Le thème que j'ai choisi ce soir, c'est le contentement de points, se suffire, l'onishmat aussi, Meir bat Rachel. Voilà, c'est dit, Baruch HaShem. C'est se suffire de ce que l'on a. Vous savez, et aussi Moshe ben Hanania et Zohra. Voilà, donc ce soir, l'Eilu Nishmat. J'aimerais vous dire que ce sujet, j'y ai pensé depuis pas mal de semaines déjà. Et je me suis dit que la semaine dernière, on avait parlé « Il est où le bonheur ?» Rappelez-vous, c'était assez corsé comme thématique. C'était un cours qui était très profond, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à digérer. Mais vous savez très bien que c'est lorsqu'on parle du bonheur, le bonheur, une ramification du bonheur, c'est celui qui sait se suffire de ce qu'il a. C'est exactement le plus important. Et vous savez que lorsqu'on dit se suffire de ce que l'on a, ça veut dire quoi? Se suffire de ce que l'on a, ça veut dire que quelque part, être assez conscient que ce que nous avons, nous le méritons. Et ce que nous n'avons pas, on ne le mérite pas. Tout est en fonction du mérite. Et on sait très bien que le monde fonctionne en fonction du mérite, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau matériel, c'est en fonction du mérite. Lorsqu'une personne travaille, elle mérite un salaire. Lorsqu'une personne ne travaille pas, elle ne mérite aucun salaire. Et lorsqu'une personne fait une mitzvah, il y a un sachar, on ne sait pas lequel, puisque la Gemara nous dit « Behaya alma, sra mitzvah lika ». Dans ce monde, il n'y a pas une récompense à la mitzvah. Pourquoi? Parce que sinon, je serais en train de choisir mes mitzvot en fonction de la grandeur des mitzvot et à ce moment-là les accomplir. Donc c'est pour cela, chers amis, que lorsque je sais ce que j'ai, j'évalue ce que j'ai, j'apprécie ce que j'ai, c'est en soi une richesse. Comme nous disent les maximes de nos pères, Ezeu Ashir Asamer Behelko. Une personne, vraiment une personne qui est la plus riche, qui sera considérée selon la Torah, selon la Mishnah, Avot, selon les Tanaïm, véritablement une personne riche, c'est une personne qui se suffira de ce qu'elle a. Chers amis, tout ce que je vous dis maintenant, c'est quelque chose d'assez vague. Ce sont des mots. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, en commençant par des définitions. Vous savez que le contentement a deux revers. Le contentement veut dire se contenter de ce qu'on en a, et le contentement veut dire aussi quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui se contente, c'est-à-dire se contenter, ça veut dire regarder moi tout ce que je peux me contenter, ça veut dire je suis rempli de telle ou telle chose ou tel savoir et je le fais savoir. Tout d'abord, chers amis, le contentement, et c'est pour cela que j'ai choisi ce thème juste après la semaine dernière, en parlant, on avait dit il est où le bonheur? Le contentement apporte le bonheur, justement, même dans la pauvreté. La véritable contentement est le résultat d'un accord profond entre un individu,
c'est-à-dire entre la personne et l'existence que cette personne aime. Je m'explique. Ça veut dire que si j'ai dans ma tête quelque chose que je voudrais, et que finalement sur les terrains, chez moi, je n'ai que quelque chose que j'ai, mais je voudrais plus. Donc il va y avoir un décalage entre moi et l'existence que je mène et la vie que je mène. Ça veut dire que ce décalage va faire en sorte que je serai malheureux. Chers amis, si on a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne sont pas heureuses, même si elles sont riches, même si elles ont la santé, parce que la santé, c'est en soi une richesse colossale, même si finalement, au jour le jour, on leur donne ce dont elles ont besoin, mais que demain, elles ont un nouveau besoin encore. Ce sont des personnes qui vont vivre dans une frustration permanente, dans un malheur permanent et dans une tristesse désespérante. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de phase entre l'individu, entre moi et l'existence que je mène. L'existence que je mène, c'est celle qui est voulue par Akadosh Baruch Hu. C'est celle que je mérite. C'est celle que j'ai. C'est celle que l'Ashgara d'Akadosh Baruch Hu m'a donnée. Mais si je suis en décalage avec cela, chers amis, alors j'ai Choser Emouna. Je suis quelqu'un qui vivra en permanence frustré. Je serai en permanence malheureux, triste, et je serai en permanence en manque de quelque chose. Et une personne qui est en manque de quelque chose, c'est une personne qui fera souffrir toutes les personnes qui se trouvent autour d'elle. C'est une personne qui sera invivable. C'est une personne qui sèmera le malheur autour d'elle, les pleurs, les cris et la tristesse. Pourquoi ? Parce que son manque, elle va le vomir aux autres, puisqu'elle n'est pas contente, parce que son contentement n'est pas suffisant, donc elle n'est pas contente d'elle-même, de sa vie, puisqu'il y a un décalage entre elle et la vie qu'elle mène. Et à ce moment-là, on a beau être riche, on a beau être pauvre, on va être en bonne santé, d'une manière ou d'une autre, on sera toujours malheureux. Une autre définition du contentement, sont des définitions que l'on trouve dans la Gemara et dans le Talmud. Celui qui est content de son quotidien, finalement, se sent rempli de gratitude envers la vie. Et cela, bien entendu, ça le rend serein. C'est exactement cela. Ça veut dire, lorsqu'on dit le matin, chers amis, « Modé ani lefanecha melech chai vekayam »« Je te remercie, Hachem, le roi qui est toujours permanent »« Shehezarta libi nishmati »« Parce que tu m'as rendu mon âme » avec toute ta miséricorde, avec toute ta confiance. Tu m'as fait confiance pour me rendre mon âme encore une fois pour 24 heures, encore pour une journée supplémentaire. C'est que finalement, je suis content de cela et donc tout ce que j'aurai dans la journée sera pour moi un bonus puisque j'ai déjà mon âme qui m'a été restituée le matin. Chers amis, lorsqu'on on analyse les barakhot à Shahar, si on traduit, si chacun et chacune de nous lit les Brikot HaShahar avec la traduction, avec un sens pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, en donnant du sens à ce que l'on lit, parce que malheureusement, le matin, après s'être brossé les dents et en arrivant à la machine à café, on est en train de dire les Brikot HaShahar par cœur, on ne se rend pas compte de ce qu'on lit. On a tellement l'habitude de les dire, des fois on les dit par cœur. Mais si on regardait bien, on les lisait bien, vous verrez que finalement, dans ces Brikot, chaque pore du corps, ça veut dire chaque, nous avons des milliards et des centaines de milliards, de milliards de pores dans le corps entier, et que s'il y en avait un qui était bouché, on ne pourrait pas vivre même pas une seule heure. S'il y en a un parmi des milliards, de milliards, de milliards de pores que nous avons dans le corps, s'il y en a un qui est fermé, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on se réveille le matin, en soi, il faut qu'on ait ce qu'on appelle Hakarat HaTov, c'est l'objet de mon cours de ce matin, ces 5 minutes quotidiennes que je mets le matin au soir sur le groupe. J'ai dit que Hakarat HaTov fait en sorte que je réalise et je remercie Hakadosh Baruch Hu de la vie qu'il m'a donnée, de la journée qu'il m'a rendue. Et c'est cela, se suffire de ce que l'on a. Parce que lorsqu'on se réveille le matin, malheureusement, lorsqu'on voit des gens, ils sont déjà mshinfin,
sont complètement tordus. Ils sont, mais je me suis levé du pied gauche, je ne suis pas bien, commence à bafouer tout le monde, à manquer de respect à tout le monde, à parler mal à tout le monde. Parce qu'ils ont une raison. Mais pour eux, elle est très valable. C'est laquelle? J'ai mal dormi, je suis levé du pied gauche. Mais pourquoi, moi, vais-je encaisser ta frustration? Pourquoi vais-je encaisser ton manque de ce que tu voudrais alors que tu as déjà tout en ayant la vie? C'est ça, chers amis. Celui qui contente son quotidien se sent rempli de la gratitude envers la vie, donc envers Akadosh Baruch Hu, et ça le rend serein. C'est cela le shalom qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on demande le shalom à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Mais ça, il y a marqué Ve'asem lecha shalom. Shalom, ça veut dire quoi? Ça veut dire le shalom dont on parle ici, c'est la sérénité. On veut une sérénité. Il y a ce qu'on appelle la paix et ce qu'on appelle la sérénité. La paix, c'est on peut faire la paix entre un homme, ben Adam, la havero, ben ish l'eshto, entre un homme et son épouse, et entre un homme et son prochain. Mais la vraie paix qu'on demande chez Kadosh Baruch Hu, Ve'asem lecha shalom, c'est la paix qui se trouve à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la sérénité. La sérénité intérieure. Ça veut dire que finalement, je suis comblé. Si je suis comblé, alors je suis serein. Si je suis serein, je ne pourrai jamais vexer ni blesser qui que ce soit, ni parler mal à qui que ce soit. Parce que je serai tellement content de mon sort. Parce que je me contenterai de ce qu'Hachem m'a donné. Et finalement, lorsque je me contente de ce que tu m'as donné, mais en somme toute, c'est la vie que je m'as donné. Tu m'as donné une vie entière. C'est cela, Ezur Ashir, Hassan al-Halkou. Et là, on définira tout à l'heure, en deuxième partie de cours, qu'est-ce que la richesse? Parce que, en se basant sur la Mishnah de Pirkei Avot, qui emploie le mot Ashir, pourquoi n'a-t-elle pas employé un autre mot que Ashir? Et nous allons analyser toute cette phrase en deuxième partie de cours. Pour l'heure, continuons nos définitions. Parce que nos définitions vont nous permettre en filigrane de comprendre la deuxième et la troisième partie du cours, de laquelle on va s'investir complètement dans ce qu'on appelle les références de la Torah. Il y a un grand écrivain psychologue qui s'appelle Ivanhoe qui dit la chose suivante. Il dit le jour, il s'adresse à ses étudiants, et ça on le répète très souvent à nos étudiants aussi. C'est une phrase qui est affichée chez tous les psychologues dans leur bureau et dans leur cabinet, même dans leur maison. Tellement cette phrase est criarde de vérité. Le jour où vous prendrez conscience, nous dit Avraham Kof, que tout ce que vous avez besoin est déjà en votre possession, vous découvrirez combien vous êtes riche. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet écrivain psychologue, Ivanhoe, n'était pas juif, n'était pas du tout croyant, et pourtant, il vient, il nous rapporte ce que la Mishnah Avot nous dit. Je suis certain qu'il n'a pas étudié. Mais en tout cas, il rapporte exactement l'essence même de notre Mishnah, qui dit la chose suivante. Il dit que finalement, si tu prends conscience que tout ce que tu as besoin, tu l'as déjà chez toi, alors tu pourras découvrir que tu es un homme riche. La richesse, c'est quoi? La richesse, c'est lorsqu'on a tout. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a besoin de quelque chose est riche. Il y a tellement de pauvres aujourd'hui qui sont extrêmement riches. Pourquoi? Parce que tous les matins, ils disent « Baruch Hashem de ce que tu m'as donné. » Ami Samer Behelki, je suis heureux de mon sort. Je me contente de mon sort. Kadosh Baruch, ce que tu m'as donné, c'est bien. Tout ce que tu m'as donné, c'est les Toba. Il y a une célèbre prière que j'ai divulguée, qu'on m'avait donnée quand j'étais sur le Kever Rachel il y a 3 ans. Il y avait une femme qui est venue me voir. Elle avait perdu un fils, je pense, très jeune. Elle s'était donnée comme mission de faire une feuille, ce qu'on appelle Hakarat HaTov d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, Hakarat HaTov? Ça veut dire remercier Hachem. Et donc, elle m'a donné, j'étais de passage, rentré dans le Kever Rachel. Elle m'a dit, s'il vous plaît, ce que je vous demande, c'est de... Elle m'a donné une dizaine. Donnez ça chez vous lorsque vous partirez en France. Voshlema Rivka Batrasiba. Amen, Kenerason. Donnez ça lorsque vous irez en France. Et donc, j'ai pris, j'ai lu, et je le lis tous les matins depuis, ça fait 3 ans. Je l'ai même traduit en français. Je l'ai réimprimé en grand, joli, pour distribuer à tous mes étudiants en école juive, bien sûr, et à tous mes fidèles dans la communauté.
Et aujourd'hui, ils ne s'en séparent pas. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. C'est simple. Parce que dans ce texte-là, il y a tout le secret d'un homme riche. Il y a marqué « Merci mon Dieu parce que tu m'as fait souffrir. Merci mon Dieu parce que tu m'as donné de la joie. Merci mon Dieu parce que tu m'as fait riche. Et merci mon Dieu parce que tu m'as fait pauvre. Et merci mon Dieu parce que tout ce que tu ne m'as pas donné. Et merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné. » En substance, c'est assez long, mais en substance, c'est ça. Et là, j'ai compris, il y a 3 ans quand j'ai lu ce texte, que finalement, bien sûr, on l'a entendu à Kol Hatorah, mais lorsqu'on lit ce texte tellement bien fait, on se dit que finalement, ce qu'Hachem ne te donne pas quelque chose, c'est parce que c'est pour ton bien qu'il ne le donne pas. C'est parce que tu n'es pas prêt à recevoir cela. Et parce que tu ne le mérites pas. Et si tu ne le mérites pas, c'est l'Hatorah. Parce que peut-être ça va te porter préjudice. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On l'interprète comme étant un manque. Et donc, on se plaint. On se frustre. On se renferme. Et on en veut au monde entier et en priorité à ceux qui nous entourent dans notre foyer. Et ça donne vraiment des problèmes. Et surtout pendant ce confinement, il y en a eu énormément. J'étais frustré de sortir. Et comment je ne peux pas aller bouger? Je voulais aller au cinéma, je ne peux pas. Je veux aller là, je ne peux pas, etc. Donc c'est que des manques en permanence. Vraiment en permanence. Ces manques-là se transforment en frustration. La frustration, c'est ce qu'on appelle... quelqu'un qui va générer que du malheur, quelqu'un qui va générer que des problèmes, et à ce moment-là, malheureusement, il va faire tache d'huile toutes les personnes qui vivent autour de lui. Et c'est cela, chers amis, pourquoi le Khachami nous explique. Faites attention à la vraie richesse, c'est celui qui se contente de sa part. On parle de Khelek, on va en parler tout à l'heure. La seule richesse, chers amis, c'est celle qui consiste à savoir dompter ses désirs. L'homme, il a ses désirs. Vous savez très bien, c'est quoi les désirs qu'il a? On sait qu'il y a une phrase très connue dans Pirkei Avot, encore une fois. Akina ve'ata'ava ve'akavod mutsi'in et adam min ha'olam. La kina, ça veut dire la jalousie. Ta'ava, les désirs. Les désirs interdits, les envies, les plaisirs. Et le kavod, c'est la recherche du pouvoir, des honneurs. Motziin et Adam in haolam autodétruisent l'homme de ce monde. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de lui faire du mal. Ce sont les hommes eux-mêmes qui vont s'éloigner de lui parce que ça va se transformer en pervers narcissique. Et un pervers narcissique, c'est exactement cela. C'est quelqu'un qui va générer que du malheur. C'est quelqu'un qui va se nourrir de la peine de l'autre. C'est quelqu'un qui va se nourrir en rabaissant l'autre. C'est quelqu'un qui aura besoin d'écraser l'autre pour pouvoir s'élever, en l'insultant, en le maudissant, en le rabrouant, en le diminuant, en lui faisant toutes sortes de choses pour aiguiser son ego surdimensionné. C'est pour cela, chers amis, que la Mishnah nous dit, Akina, la jalousie. Qu'est-ce qui fait la jalousie? Quand j'ai quelque chose et je sais que j'ai tout, est-ce que vraiment je vais être jaloux de quoi que ce soit? Non. Je suis jaloux parce que je n'ai pas ce que l'autre a. Je suis jaloux aussi parce que l'autre est en train de réussir et que moi, je n'arrive pas à atteindre sa réussite. Sachez entre nous, on ouvre une petite parenthèse, un homme qui subit, qui est victime d'une jalousie, qui est victime de ce genre de choses, elle peut se rassurer parce que si on est jalouse d'elle, c'est parce qu'elle est en train d'évoluer, qu'elle fait du travail dans ce monde. C'est parce qu'elle est efficace, c'est parce qu'elle est vraiment productive. On n'est pas jaloux d'une personne qui est inutile à la société ou à sa famille ou à la communauté. On ne jalouse pas ce genre de personne. Si on vous jalouse un jour, ne le prenez pas mal, au contraire. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un. On ne jalouse que les personnes importantes. Et la personne qui est victime de jalousie ne doit pas tomber dans le travers de se dire « je vais me défendre » ou « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» ou tomber carrément dans une dépression, se dire « mais on ne me respecte pas ma juste valeur. » C'est cela, chers amis. Le prendre de l'autre côté, l'histoire. C'est-à-dire que si on me jalouse,
c'est parce que j'ai réussi quelque part, quelque chose. Sinon, je ne jalouserai pas. Et la jalousie, elle vient parce que l'autre a envie ce que la, de devenir comme l'autre ou d'avoir ce que l'autre a. Donc, ça veut dire que je ne suis pas riche. Je ne me contente pas de ce que j'ai. Ça, c'est la première chose. Ta'ava, c'est les plaisirs. Les plaisirs, aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société qui crée les plaisirs, qui crée les besoins, qui produit. On est dans une production de besoins permanente. On est dans une production extrêmement rapide de besoins qui sont des fois, parfois, différents dans la même journée. Alors qu'à une certaine époque, il y a quelques années en arrière, au Maroc, en Tunisie, ou en Algérie ou ailleurs, dès qu'on recherchait un besoin qu'on obtenait au bout de plusieurs semaines, on était heureux. On se suffisait de petites choses. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, on ne produisait pas de besoins qui influencent cette personne et va créer le manque chez cette personne-là. Et pourquoi elle le crée, ce manque? Parce que cette personne n'a pas assez d'imouna d'Akadosh Baruch Hu. Parce que cette personne n'est pas assez érudite dans la Torah. Elle n'a pas assez étudié. Elle n'a pas de rave, elle n'a pas de travers, elle ne sait pas avec qui étudier. Elle n'a pas de maître. Donc, son maître, c'est la société. C'est la société qui va le gérer comme elle a envie de le gérer. En le prenant par le bout du nez, en créant des modes, en créant des besoins, en créant d'autres normes de celles de la Torah, qui vont faire que cet homme-là va être en permanence à la recherche d'un besoin. Parce que lorsqu'on crée des besoins chez quelqu'un, et que ce besoin se développe et devient récurrent, à ce moment-là, on devient addict aux besoins. Et donc, on reste toujours pauvre de ce que je n'ai pas fait, mais je ne profiterai jamais de ce que j'ai et de ce que j'ai déjà fait. C'est un homme, une femme, qui ne vivra jamais heureuse ou heureux. Pourquoi? Parce qu'elle ne verra jamais ce qu'elle a. Elle verra toujours ce qu'elle n'a toujours pas obtenu. Donc, on est dans une tristesse terrible. Mais cette tristesse, elle se développe aussi chez les gens qui le côtoient, qui sont autour d'elle. Et c'est pour cela, chers amis, je voudrais revenir sur ce que dit Birkat Avot. Le manque de contentement, chers amis, provoque chez l'homme la jalousie, le désir d'autres choses en permanence, les envies, et au bout du compte, et au bout, le pouvoir, les honneurs. Et voyez, on va prendre quelques exemples dans la Torah. Premier exemple, c'est Esav. Esav, qu'est-ce qu'il voulait? Il avait tout déjà, Esav. On le voit dans la parasha de Vaishlah. Dans la parasha de Vaishlah, lorsque Esav rencontre son frère Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, est-ce que je peux t'accompagner? Yaakov lui dit, surtout pas. Il dit, pourquoi? Il lui a dit, Ayeladim Rachim, les enfants sont faibles. La Gemara pose la question, mais quel enfant? Il n'avait pas d'enfant. Tous les enfants qu'il avait étaient grands. Quel enfant avait-il? Ici, Yaakov donne un message à Esav en lui disant, tu peux faire ce que tu veux, tu ne réussiras jamais à m'influencer, ni à influencer ma famille dans le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a dit, je resterai un éternel enfant. C'est quoi un enfant? En psychologie moderne, un enfant, c'est celui qu'on peut manipuler en donnant des excuses qui vont lui plaire et qui seront de son âge pour essayer de noyer le poisson. Il sera plus influençable qu'un adulte qui a de l'expérience. Donc, il y a un convite à Esav. Nous sommes tous des enfants. Je ne veux pas que tu viennes avec moi. Je risque, et je risque quoi? Que sur la route, tu aies à influencer ma famille. Sur la route. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, Yaakov, grand comme il était, il savait que son frère était là, il pouvait l'accompagner parce qu'il avait des hommes armés. Mais Yaakov lui a montré deux choses. La première chose, je n'ai pas besoin de toi. Un Yehoudi, il n'a pas besoin de toi. Quelqu'un qui a la émouna d'Hachem, quelqu'un qui a une émouna forte, il n'a besoin de personne. On est d'accord. Et la deuxième chose,
il a voulu lui montrer que même si moi j'étais chez Lavan et je me suis renforcé dans la Torah et les mitzvot, je ne baisse jamais ma garde quand je fréquente un rachat ou quand je fréquente quelqu'un qui peut m'influencer. Un homme frustré et peut influencer terriblement une personne qui est dans la sérénité. Pourquoi ? Parce qu'un homme frustré va tout faire pour essayer de se plaindre en permanence de ce qu'elle n'a pas. Tu vois là, je n'ai pas fait ci, j'aurais dû avoir plus d'argent, je n'ai pas pu, le business c'est ça, il ne va pas, il voit, je refaire, je vais essayer. Si on en a marre, ras-le-bol de cette vie, j'en ai marre. Alors que la personne, elle a tout, elle a la santé, elle a tout. Il a une femme, il a des enfants en bonne santé. Il est en permanence en train de taper sur la vie magnifique qu'Hachem lui a donnée parce qu'il n'a pas plus que ce qu'il a. Yaakov, il dit non. Ce qu'Hachem m'a donné, ça suffit. Et qu'est-ce qu'il va lui faire, Yaakov ? Il va dire, c'est moi qui vais te donner. Il va lui faire un cadeau. Esav va le prendre, le cadeau. Et voilà que Esav, il va parler avec Yaakov. Yaakov va dire, écoute, prends ce que tu veux. Si c'est ça qui t'intéresse, prends ce que tu veux de ma richesse. Mais surtout, tu touches à aucun de mes enfants, même pour l'accompagner ou pour marcher avec lui ou pour parler avec lui, je ne te permettrai pas. Pourquoi ? Parce que nul n'est à l'abri de la mauvaise influence. Comme l'a marqué, protège-moi d'un mauvais voisin. Ou mehaverra, d'un mauvais ami. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Quel problème ? Je suis fort ? Non. Personne n'est à l'abri de la mauvaise influence. C'est pour ça qu'il va lui dire, son frère, non, je ne veux, tu sais, ne me donne pas ce cadeau. Yesh li rav ahi. J'ai beaucoup, mon frère, il lui a dit, Esav. Rashi nous dit, rav, aval lo maspik. Quand quelqu'un dit j'ai beaucoup, ça veut dire pas assez. Qu'est-ce que va répondre Yaakov, lorsque ça veut dire tu veux, c'est moi qui vais te donner. Yaakov va lui dire Yesh li kol, j'ai tout. La différence entre j'ai beaucoup et j'ai tout, elle est énorme. Quand je dis j'ai beaucoup, ça veut dire j'ai pas assez. Quand je dis j'ai tout, je ferme la porte, j'ai tout. Regardez la réaction de Esav et la réaction de Yaakov. Vous vous rendez compte ? Que lorsque déjà on est dans une dynamique de tout, alors qu'Yaakov Avinu a souffert avec Esav, il s'est sauvé dans un pays inconnu, il a souffert avec Lavan 14 années pour travailler pour Rachel, Léa, il a retravaillé encore pour sa richesse encore 7 ans, il est resté plus de 22 ans chez Lavan, et entre temps il avait étudié dans la yeshiva de Shem Ever, il est resté des années sans son père, sans sa mère, avec la crainte au retour que Esav le tue, avec sa famille, etc. Il aurait pu être le roi des plaintes. Il a dit non, Yesh Likol, j'ai une très belle vie, j'ai tout. C'est quoi tout ? Ça veut dire que j'ai tout compris de la vie. Kadosh Baruch Hu, il a toujours été près de moi. Il m'a fait tout comprendre et moi j'ai tout absorbé. J'ai tout compris. Que finalement, j'ai compris quoi ? J'ai compris qu'il fallait me débarrasser de Esav. D'ailleurs, la preuve, c'est Esav va partir de suite dans un endroit qui s'appelle Seir. Qui vient du mot Séar, puisqu'il était pour lui, il a pris Séir. Séir, c'est Edom, Edom qui vient du mot Adom, parce qu'il ne développait que le sang autour de lui, la violence. Et Yaakov va s'installer à côté de Yitzhak, son père. Et Lavan aussi, il va s'en débarrasser. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que celui qui se contente de ce qu'il a, il a une vie heureuse. Il peut rendre heureuse sa femme. Vous vous rendez compte, avoir un mari ou avoir une femme qui se suffit de ce qu'elle a, on est tellement matérialiste aujourd'hui. Je reçois tellement de couples, chers amis, que je peux vous raconter des tas d'expériences que j'ai, j'entends. Aujourd'hui, on ne discute pas pour essayer de connaître la personne, la femme ou la fille quand il y a des chidours. On discute plutôt de quel boulot tu fais. On parle de tellement. On parle à 50% du rendez-vous, c'est le boulot. Et ce que tu fais, tes loisirs. Boulot, loisir, ça veut dire le plaisir et l'argent. Alors que finalement, c'est plutôt le caractère et si on est compatible ou pas. C'est là où se trouve l'essentiel, la compatibilité. Parce que lorsqu'il y a compatibilité, il y a contentement. J'ai tout ce qu'il me faut à la maison. J'ai ma reine avec moi et la reine, elle a son roi. Ça suffit. Avec ça, on construira ce qu'on construira. Si on invite à Kadosh Baruch Hu à la maison, on construira ce qu'on construira avec sa bénédiction.
Et on est conscient que ce qu'il nous donnera, ça sera pour le bien de cette dame et de son mari. Parce que Hachem aura calculé et jugé que ce qu'il va leur donner, c'est pour leur bien. Et on bénit Hachem de nous avoir fait riches et on bénit Hachem de ne pas nous avoir fait pauvres. Pourquoi? Parce que la richesse est une épreuve et la pauvreté c'est une autre épreuve. Et la Gemara dit que la richesse est une épreuve beaucoup plus grave que la pauvreté. Pourquoi? Parce que le pauvre, il est en permanence en train de prier à Kadosh Baruch Hu pour l'aider à assoupir et à aplanir ses souffrances et ses douleurs. Alors que le riche, il oublie la tefila parce qu'il se prend pour le bon Dieu après, parce qu'il a de l'argent. Il se prend pour le patron. Il se prend pour Dieu le grand. Il se prend pour quelqu'un maintenant qui donne des ordres. Et donc le pouvoir aussi est une épreuve. Les honneurs sont une épreuve. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de se suffire de ce que l'on a, il y a aussi des extrêmes qu'il ne faut pas non plus atteindre, ni dans un sens, ni dans un autre. Et ça, on en parlera tout à l'heure. C'est pour cela, chers amis, la différence entre Esav et Yaakov, c'est Yeshli. J'ai beaucoup, mais pas assez. Et Yaakov, il dit, j'ai tout. Si vous pensez que vous avez tout, vous êtes les personnes les plus heureuses du monde. Et tout le monde va vous envier. Pas parce que vous avez quelque chose, non. Parce que vous êtes tout le temps dans le bonheur. Et c'est la suite logique du cours de la semaine dernière. Et c'est une des ramifications de « Il est où le bonheur ?» Il est là, chers amis. Comme dirait mon ami Maé, « Il est là !» C'est-à-dire quoi, il est là? Il est là, tu es là, toi, l'Aziz. Tu es là, tu es vivant. Si tu es vivant, en soi, Baruch Hashem, tu es riche. Avec ça, tu pourras avancer. Avec ça, tu peux commencer à faire quelque chose. Avec ça, tu peux commencer véritablement à construire ta vie. Voilà, chers amis, pourquoi la Mishnah nous dit dans cette phrase, il y a encore deux mots. Et je passe à la deuxième phase de mon cours. Achir, d'abord la richesse. On parle en termes de richesse. Pourquoi? Parce que c'est la richesse qui rend dingue la personne. On est tout le temps, regardez le matin, pour ceux qui habitent Paris, je les plains, bon bref, c'est métro, boulot, dodo. Ceux qui habitent New York, ceux qui habitent Venezuela ou en France ou en Israël ou au Maroc, dès qu'ils sont dans les grandes villes, regardez comment ça court. Pourquoi on court tout? Pourquoi on court à ce rythme-là, à votre avis? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on veut gagner de l'argent, on n'a pas à ça. Parce qu'on est à la recherche d'une parnassa. Mais il y a un moment, il y a une limite. C'est quoi la limite? Et la Gemara raconte. Alors, même une personne qui habite à Panama. Même à Panama aussi, en cours. D'accord? Baruch Hashem. Nous avons on a Kibbutz Galuyot ce soir, chers amis. On a des gens du Panama, Venezuela, des États-Unis, Israël, Maroc. Baruch Hashem. Moi, je suis à Marseille. En tous les cas, on est Amehad, Ishehad, Levehad. Je reviens à ce que je disais. Lorsqu'on voit Esav, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Milecha kol ha-mahane hazé ». Il va lui dire « Mais c'est quoi toutes ces richesses que tu as amenées ?» Il va lui dire « Mais c'est quoi cette richesse que tu as amenée ? Ce n'est pas possible. » Est-ce que lorsqu'on voit son frère, on ne l'a pas vu depuis des années, depuis 20, 22 ans, on va simplement se focaliser sur sa richesse? Esav, il s'est focalisé que sur la richesse. « Milecha kol ha-mahane hazé », d'où te arrivent tous ces... Ces carrosses de biens, des troupeaux extraordinaires. Voilà, Aziz, mais dis-lui d'abord bonjour à ton frère, embrasse ton frère. Dis-lui comment tu vas, comment va ta santé. Déjà, tu te focalises sur sa richesse. Ça est ça. Parce que ce qu'il a, lui, n'est pas suffisant. Il va voir chez l'autre s'il peut avoir quelque chose. Il va voir chez l'autre s'il trouve quelque chose qu'il n'a pas. Alors qu'Yaakov avait nous. Il lui dit, non, je ne veux personne avec moi. Et je lui colle, allez-y, va, avance. Moi, je vais aller seul avec ce qu'Hachem m'a donné. Avec ce qu'Hachem m'a donné, je vais avancer. Vani etnahala le'iti. Il y a marqué dans le pasouk, dans la parasha de Vaishla, dans la deuxième montée. Vani, moi, etnahala, je veux prendre ma route, le'iti, à mon rythme. Ça veut dire quoi, à mon rythme? Ça veut dire, moi, je vais à mon rythme dans ma vie. Quelqu'un qui a envie toujours de plus, c'est quelqu'un qui veut sauter des étapes. Une personne qui veut sauter des étapes va se casser la tête d'une manière ou d'une autre, d'une manière certaine. Pourquoi? Parce qu'il veut sauter des étapes, il veut aller plus vite. En général, ceux qui veulent sauter des étapes au niveau de la parnassa,
on les retrouve dans des problèmes financiers, de vol, d'escroquerie et compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent devenir très riches et très vite. Donc, ils sont obligés de faire des choses illégales. Yaakov lui dit non, ils savent. Non. Va'ani et na'alali iti, j'irai au rythme d'Akadosh Baruch Hu. J'irai au rythme de ma famille. Ce qu'Hachem m'a donné, j'irai à son rythme. Ce qu'Hachem il me donne, je prends, c'est une étape numéro 2. Il me donne, je prends, étape numéro 3. Je vais au rythme d'Akadosh Baruch Hu. Sameach Pehelko. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Il y a le mot Sameach. Sameach, c'est le bonheur, c'est la joie. La semaine dernière, on a dit qu'une des définitions du bonheur, c'est la simha, c'est la joie, la gaieté. On a dit que c'était le bien-être, on a dit plein de choses, mais on a dit qu'il y avait aussi la joie. Ça veut dire que là, lorsque je me contente de ce que j'ai, ça me rend joyeux. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, j'ai ni haine, ni envie, ni désir de ce que les gens ont, ni jalousie. J'ai rien du tout. Donc, si je n'ai pas tout cela, je vis bien. Et si je vis bien, la femme qui est avec moi, qui vit sous le même toit, qui s'appelle ma femme, elle va vivre bien aussi. Parce qu'elle n'aura pas supporté mes frustrations. Elle n'aura pas à supporter les manques que je ressens, que je vomirai sur elle, ou sur lui, ou sur mes enfants, ou sur mes amis. Ou lorsqu'en arrivant à la synagogue, le type vient avec ses problèmes, commence à crier sur les uns et les autres. Il y a toujours un qui est comme ça. Il vient, on se demande pourquoi il blesse tout le monde? Parce qu'il a des problèmes à la maison. Parce qu'il est venu avec une frustration. Parce qu'il est venu parce qu'il a un manque énorme. Il a besoin d'un truc, il n'a pas réussi à gagner autant d'argent qu'il voulait. Donc il va falloir qu'il mette ses nerfs sur tout le monde. Voilà ce que ça donne, chers amis. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, il n'est pas sa mère. Et le dernier mot, c'est quoi? C'est Helko. C'est quoi Helko? C'est Helek, Helek shel olama zeh, Helek shel olama ba. Vous savez, chers amis, celui qui n'est pas heureux dans ce monde parce qu'il n'est pas, il se suffit pas de ce qu'il a, ni il profite de ce monde, ni il profitera du monde futur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va toujours faire des averot, malheureusement, pour essayer d'atteindre ce qu'Hachem ne veut pas lui donner, mais il voudra toujours l'atteindre. Donc il va tout faire pour essayer d'atteindre, même des choses illégales, des choses terribles. Et ça, vous le voyez toujours autour de vous. Combien de personnes se retrouvent en prison, ou se retrouvent dans des problèmes de shalom bayit, ou se retrouvent marginalisées par la communauté ou par la société. Pourquoi? Parce qu'elles ont ce genre de problème. Et regardez Korah, la parasha de la semaine prochaine. En Israël, c'est la semaine dernière, mais en Hotsaret, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il fait, Korah? Il est jaloux de quoi? Il est jaloux du poste d'Aaron à Cohen. Il est jaloux de Moshe Rabbeinu. Il est jaloux parce qu'on a nommé Nation, on l'a nommé Elitsafan Ben Oziel, c'était son cousin. Et pourtant, Korah, il avait tout. On dit que Korah, il devait avoir 250 ânes pour porter que les clés de ses trésors. Il avait pris tous les trésors et tous les trésors d'Égypte que Yosef avait gardés, il les avait pris. Pendant que Moshe Rabbeinu s'occupait des ossements de Yosef. Déjà, à la base, il ne se suffisait pas de ce qu'il avait, Korah. Et parce que lorsqu'on se suffit de ce que l'on a, ça crée ce qu'on a vu, ce qu'on va voir dans la paracha de Korah, la jalousie. Et il va lui arriver ce qui va lui arriver, c'est que la terre va s'ouvrir, elle va l'avaler. Il aura une mort totalement différente et terrible. Pourquoi? Parce qu'il ne se suffit pas de ce qu'il a. Parce qu'il veut toujours. Et lorsqu'on ne se suffit pas, on arrive des fois à des catastrophes irrécupérables et impardonnables. Ça, c'est très important à savoir. Et bien sûr, il y a aussi dans le contentement, il y a l'envers de la médaille. C'est quoi l'envers de la médaille? On dit que le contentement, c'est aussi un sentiment de vanité de celui qui a une trop bonne opinion de lui-même. Ça veut dire quoi? On dit en français, le contentement, ça veut dire quelqu'un qui dit moi et moi et moi, je suis ci, je suis ça. C'est-à-dire que je rentre dans la gaava. C'est-à-dire dans les deux sens, le contentement. C'est quelque chose qui va mener l'homme à sa perte. Soit en ayant un manque, parce qu'il va ressentir un manque en permanence, toute sa vie, il sera en manque de quelque chose, toute sa vie. Soit il va se prendre pour ce qu'il n'est pas, donc il va créer une vanité, la gaava, l'orgueil. Il va se dire, il a une très grande opinion de lui,
Et donc, toutes les personnes qui seront autour de lui seront automatiquement ses vassaux. Vous avez des fois, malheureusement, des maris ou des femmes, plutôt les maris au général, qui pensent et qui sont comme ça, et la femme vit totalement soumise à cet homme-là. Pourquoi ? Parce qu'il a une très bonne opinion de lui, et même certains amis ne pourront pas le supporter, ou dans certaines communautés, on devra lui faire un grand cavote, sinon c'est des scandales à la synagogue. Voilà pourquoi, chers amis, je voulais que vous dire que Ezou Hachir, lorsqu'on parle de Hachir, on parle de Hachir, c'est-à-dire de richesse. Il faut savoir que la Torah, lorsqu'on parle de richesse, elle ne parle pas de richesse d'argent. Tovli Torat Picha Me'alfeza Vachasef. C'est marqué dans l'alphabeta. C'est marqué dans le psaume 119, Kufiutet. Je préfère Tovli Torat Picha, je préfère la Torah de ta bouche à Kadosh Baruch Hu. C'est un anthropomorphisme. Je préfère la Torah de ta bouche, Me'alfeza Vachasef, que tout l'argent du monde. Pourquoi ? Parce que l'argent du monde, il me donnera que l'envie d'avoir plus. Alors que la Torah de ta bouche, Akadosh Baruch Hu, m'apportera la sérénité, m'apportera l'équilibre, me protégera de tous ces maux, M-A-U-X, de tous ces problèmes que le monde génère. Il faut savoir, chers amis, que le monde ne va pas en s'arrangeant. Le monde, il crée des personnes totalement frustrées. De plus en plus, je le vois autour de moi, beaucoup plus qu'avant. Elle fabrique des hommes comme ça. Elle fabrique des hommes comme ça. Il n'y a qu'à le voir dans les écoles, les jeunes ou les moins jeunes, ou des familles entières, même des couples. Combien j'en ai vu où leur centre d'intérêt, c'est qu'un va dire j'étais à tel endroit pour aller en vacances, et l'autre va dire non, je vais aller encore plus loin. Parce que ce que tu as fait toi, ce n'est pas suffisant, il faut aller encore plus loin. Parce que le bonheur, ils vont le chercher loin, alors qu'il est à la maison. Il est peut-être en face d'eux. Il est peut-être le fait qu'ils soient réveillés le matin. Il est peut-être parce qu'ils ont tout à la maison. Tout simplement. Il faut simplement qu'ils le réalisent. C'est pour cela que je vais vous donner certaines pistes. C'est la troisième partie du cours. Certaines pistes de réflexion, si vous voulez bien, concernant ce qu'on dit, comment se contenter de ce que l'on a. Alors, il faut savoir que dans un monde moderne, qui est gouverné par la vitesse et la technologie, vous le voyez bien aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui, dans le monde moderne, de ne pas rechercher constamment la nouveauté. Vous voyez quelqu'un qui a un iPhone 11, il veut le 12. L'autre, il veut le 12, il veut le 15. L'autre, il veut le 15, au bout de 6 mois, il veut déjà le 16. Et en permanence, on veut une nouveauté. On veut l'excellence, on veut la rapidité. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est fast. Tout ce qui est fast marche très bien. Qu'il s'agisse de votre voiture, de votre maison, de votre famille, votre principal souci, c'est quoi ? Notre principal souci, ce sera simplement de trouver des moyens pour avancer et améliorer notre quotidien en allant vers les manques. C'est un cycle continu qui va se succéder et qui va créer une satisfaction temporaire, mais pas permanente. J'ai maintenant ce que j'ai, mais je pense déjà à demain. Je n'ai même pas encore profité. C'est comme un enfant. Il pleure des heures pour avoir un jouet. Il joue avec une demi-heure. Après, il le casse, il le jette. Il ne le regarde même plus. Mais tu as pleuré pendant des jours et des jours pour ce jouet. Déjà, tu jettes, tu casses. Non, il est déjà sur autre chose. Il est déjà encore sur un autre jouet. Il va repleurer encore. C'est ce que font même les adultes en pleurant de plaintes. Et l'un des moyens de se libérer de cela, chers amis, consiste à se contenter de ce qu'on a, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'abstenir de rechercher une meilleure qualité de vie. Non. Se contenter de ce que l'on a, ça ne veut pas dire être petit, mesquin, et se dire, bon, c'est pas grave, on va vivre comme des misérables. Non. Simplement, on devra prendre conscience de notre chance et de nous efforcer de profiter des moments merveilleux que nous traversons tous les jours avec sa femme, son mari, ses enfants. La première chose, la première étape, je vous donne des pistes de réflexion, à vous de réfléchir plus tard, de mûrir et de nourrir cela dans votre vie au quotidien, parce que chacun a un vécu différent de l'autre. La première chose que je pourrais donner, et qui est marquée dans la Guémara et dans le Talmud, c'est trouver le bonheur dans la simplicité.
être pashut. C'est-à-dire, c'est quoi la satisfaction? La satisfaction, consiste à être heureux, à être heureux. Et quelquefois, lorsqu'on prend des albums, je me souviens quand on était au Maroc, on prenait des albums, on regardait les photos. On faisait ça pratiquement tous les Shabbats, après-midi, on regardait les photos. Aujourd'hui, qui c'est qui regarde les photos? On en prend des milliards, on ne regarde même plus. Parce qu'on est déjà sur demain, les photos d'hier, on s'en fout. Mais pourquoi tu en as pris alors? Comme ça, c'est un réflexe, c'est comme ça. Il faut le faire parce que c'est un plaisir. Mais pourquoi tu les as prises alors que tu ne les vois jamais? Ils sont stockés dans un ordinateur, mais on ne les verra jamais. Et ça, je suis certain de ce que je vous dis. Souvent, chers amis, souvent, la joie résulte de petites choses qu'on vit au quotidien. C'est des petites choses qui font justement qu'on peut être heureux et être riche. La deuxième chose, c'est rester conscient et de reconnaître véritablement que nous avons la chance d'être vivants. Nous avons la chance d'être là. Nous avons la chance d'avoir des proches. Nous avons la chance d'avoir véritablement des enfants. Nous avons une vie. Nous avons une parnassa. Être conscient. Restez conscient. Tellement de millions de gens qui vivent d'une manière inconsciente. Qu'on voyait des gens qui courent et qui courent et qui courent parce qu'ils veulent travailler pour 15 jours de vacances toute l'année avec un petit salaire, ils mettent de côté pour 15 jours de vacances dans lesquels ils vont tout dépenser parce que c'est le tahlis de leur vie. Ils sont inconscients toute l'année. Ils vont se concentrer simplement sur quoi? Là-dessus. Sur ces vacances-là. Donc, si on reste conscient de ce que l'on est, alors, troisième chose que je vous conseille, il faut être généreux. Pourquoi? Parce que le narcissisme, quand j'ai parlé tout à l'heure du narcissique, le narcissisme et l'égoïsme nous incitent, nous, à vouloir en permanence, constamment, avoir plus. Il y a de nombreuses, beaucoup de personnes, chers amis, sont piégés par le besoin, quel besoin? Et tout le monde va se reconnaître dans ce que je vais dire maintenant, par le besoin de suivre le rythme de leurs voisins et de rechercher les vêtements de l'autre, les gadgets, les voitures, les appareils informatiques, le dernier cri, la maison qu'ils ont achetée. On va essayer d'aller toujours vers les autres, essayer de copier les autres. Cette attitude nous empêche d'atteindre notre objectif et d'être satisfait de ce que nous avons. Par contre, si on est généreux, on pourra dépasser cet égoïsme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux m'occuper d'une association. Je veux faire de la tzedaka. Je veux faire du bikkur. Je veux aller voir des gens qui sont dans une situation beaucoup plus précaire que la mienne. J'achète de la nourriture. J'offre à un voisin qui est dans la douleur, qui est dans la misère. J'ai des vêtements. Je vais les distribuer à des gens qui nécessitent au lieu de les jeter. Me concentrer sur la générosité pour éloigner le narcissisme et l'égoïsme. Parce que ces deux plaies-là nous provoquent constamment à être des suiveurs d'autres personnes et non pas être une personnalité à part entière. La quatrième chose, c'est savoir exprimer sa gratitude, c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais en parler avec un peu plus de profondeur, c'est exprimer sa reconnaissance. Ça veut dire, il suffit simplement de reconnaître que vous avez de la chance, que vous êtes en bonne santé, reconnaître que vous êtes en bonne santé. C'est-à-dire que lorsque vous êtes simplement en famille en train de manger, déjà c'est en soi un miracle. Si vous êtes en train de vous balader avec vos amis, c'est un miracle. Si vous êtes simplement en train de rigoler, c'est un miracle. Et n'oubliez surtout pas d'être reconnaissant pour des choses essentielles. Comme la nourriture, on fait Birkat Amazon. Comme la maison, on fait Hanukkah Bayit. Comme lorsqu'on veut boire chez Akol, toutes les verres qu'on fait pour manger. Pourquoi? Parce qu'il faut exprimer sa gratitude. Exprimer sa gratitude, c'est arachir à Samea Behelko. La cinquième chose que je veux vous dire, c'est faut être dans l'action. Lorsque je suis dans l'action, chers amis, alors je peux éprouver une profonde satisfaction.
Surtout, ce qui est important dans la vie, dans notre vie, dans votre vie, ne gardez surtout que ce que vous aimez. Lorsque vous êtes envahi par la frustration, par exemple, vous êtes vraiment, la frustration vous arrive, vous êtes étouffé par la frustration ou par l'ennui en raison d'objets que vous possédez, vous pensez à l'histoire de chacun, etc., etc. Surtout, 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 pensez aux personnes qui n'ont rien. Pensez aux personnes qui, chez elles, n'ont strictement rien. Je me souviens, Rav, il a dit à son fils commençait à se plaindre à la maison de plein de choses. Son père, il a pris par la main, il a dit, maintenant, tu vas venir avec moi. Tous les dimanches après-midi, il faisait Bikur Olim dans les hôpitaux. Il l'a amené dans les hôpitaux, dans le service des enfants. Il l'a amené, il a vu les enfants alités avec des traitements très lourds. Il a dit, est-ce que tu peux maintenant encore une fois répéter la plainte que tu as dit chez toi, à la maison? Le fils a dit à son père, je n'ai plus rien à dire. Je suis en bonne santé, je suis debout. Je vois des enfants avec des tuyaux de partout. Ezoua Ashir, Assamea Behalko, Todala El, Elefe Amim. Merci mon Dieu, mille fois. Donc pour cela, il faut agir. Si on agit, on est satisfait de soi-même. Si on est satisfait de soi-même, on écarte le narcissisme et l'égoïsme. On écarte le manque, on écarte la frustration parce qu'on est satisfait. J'ai plus de place à tous ces problèmes parce que j'ai rempli la place par la satisfaction de moi-même. Je suis fier de moi-même. La sixième chose que je voudrais vous dire, ça c'est des pistes de réflexion pour nous aider ensemble à être ashir asameh behelko, être assez riche pour reconnaître tout ce qu'Hachem nous a donné et que ça nous suffit. La sixième chose, c'est soyez toujours optimiste. Toujours optimiste. Lorsqu'on est en face d'une situation difficile, chers amis, il faut toujours penser, toujours, que les choses vont s'arranger. Elles s'arrangeront en votre faveur, Bezrat Hashem. Regardez les gens sous leurs meilleurs jours. Ne croyez pas systématiquement qu'ils sont animés de choses négatives vis-à-vis de vous. C'est vrai qu'au départ, on est pris à chaud. On se dit que finalement, ce sont des gens à plaindre et que vous devez être optimiste et ne pas leur en vouloir. Que finalement, si la personne vous jalouse, si une personne elle parle du mal de vous, ou une personne, on va dire, elle vous fait vivre une situation difficile, c'est que certainement cette personne, elle est en souffrance et que vous êtes véritablement à votre place. C'est ça, chers amis. C'est cela, chers amis, que lorsqu'une personne fait souffrir l'autre, c'est parce que cette personne-là qui fait souffrir, elle est misérable dans sa vie. Elle a une vie misérable. Donc, en ayant une vie misérable, elle va engloutir la personne à côté dans sa misère. Parce qu'elle ne fait que montrer sa méchanceté. Elle ne fait que montrer ses défauts. Elle ne fait que montrer tout ce qu'elle ne peut pas obtenir, qu'elle n'obtiendra jamais. Jamais elle pourra obtenir quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours pessimiste, elle a toujours le mauvais côté. Elle est toujours dans le narcissisme. Elle est toujours dans l'égoïsme. Elle est toujours dans le prendre et jamais le donner. Donc, soyez optimiste. En cas de problème, toujours examinez la situation pour voir si elle est vraiment désespérée. Toujours regardez-la d'une manière vraiment positive. Vous se demandez, est-ce que je peux l'améliorer ? Est-ce que je peux faire quelque chose ? Est-ce que je peux tirer des leçons de cette situation difficile qui pourra me servir ultérieurement. Prendre l'épreuve, la renverser comme une leçon et non pas comme une souffrance. Et plaindre celui qui vous l'a fait supporter. Plaindre celui qui vous l'a fait supporter. J'ai encore une septième chose à vous dire. Encore une fois, ce que je vous dis peut faire l'objet de plusieurs conférences que j'ai. Je fais quelquefois à l'université. Mais plusieurs conférences de plusieurs heures. Mais je vous les donne en vrac parce que je pense que j'ai besoin de vous les transmettre. J'ai besoin de partager avec vous. Parce que chacun va les prendre, va essayer de les travailler dans sa vie. La septième chose, c'est qu'il faut toujours rester humble. Anava. Le Rachir qui est samé à Behelko, il est Anav. Quelqu'un qui veut toujours plus, c'est un Gaaftan. Ça veut dire un orgueilleux. Il veut toujours plus. Pourquoi ? Parce qu'il mérite plus. Il pense qu'il mérite plus. Et tu sais très bien que tout vient par le zéchout. Tout vient par le mérite. Qu'est-ce que tu vas chercher ce qu'Hachem ne t'a pas donné ?
Tout est inscrit en Rosh Hashanah, ce que tu dois trouver, avoir, Mereshit Hashanah ve Adaharit Hashanah. Qu'est-ce que tu vas chercher des choses qu'Hachem ne t'a pas donné pour ton bien? Et il te donnera si c'est pour ton bien. Et en temps voulu, étape par étape, comme Yaakov va niet nahala leiti. La septième chose, c'est être humble. Ça veut dire admettre que notre savoir a des limites. Il faut l'admettre. Il faut être honnête. Lorsqu'on compte nos défauts et nos faiblesses, chers amis, il faut être honnête, il faut les compter. Pourquoi je vous dis le mot compter, le verbe compter? En psychologie, lorsqu'on dit verbe compter, en pédagogie, ça veut dire que je vais les mettre sur papier, petit 1, petit 2, petit 3. Je vais les visualiser, je vais les verbaliser et je vais les noter. Il faut arrêter vraiment une chose grave, c'est on est obsédé par notre réputation en permanence. On ne se soucie pas vraiment des personnes qu'on connaît. À peine si on pense à eux, et à peine s'ils pensent à nous. Vous pensez vraiment qu'on pense à nous, à notre réputation? Il y avait une célèbre phrase au Maroc quand j'étais jeune. Enfin, c'est le petit côté rigolo de la soirée. Que tout le monde nous disait, et on vivait avec ça, et ça nous faisait un mal, on souffrait de cela d'ailleurs. C'était un mot en arabe, on disait, « Ashirkolo ziren ». Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? On dit, moi je vis pour mes voisins. Attention, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Bon, alors là, je ne vis pas pour les voisins, je vis pour moi. Ça veut dire que je suis obsédé par ma réputation, mais sachez que personne ne se soucie de vous. Pourquoi ils vont vous regarder? Certes, avant, pourquoi? Parce que ça faisait l'objet de plein de potins. Mais si on se soucie que de sa réputation, on ne vit plus pour soi-même. Il va de soi. Bien sûr qu'il faut ce qu'on appelle Marit Haïm. Il faut un paraître important. Il faut du Kiddush Hashem, certes. Mais lorsqu'on est obsédé, chers amis, c'est plus de l'humilité. C'est pour ça que je vous dis, soyez humble. Il va de soi qu'on ne peut pas permettre à qui que ce soit de nous maltraiter, de dire du Lashon Hara sur nous, ou dire des grossièretés envers nous. On ne peut pas se laisser faire à ce niveau-là. C'est vrai. Mais il faut admettre que souvent, chers amis, les gens ont des paroles blessantes et erronées sur nous. On est des fois blessés. Surtout lorsque c'est une autre personne qui nous le dit. Croyant que cette personne, c'est une amie. Mais si on veut atteindre vraiment une paix intérieure et un sentiment de satisfaction, simplement réaliser que vous n'êtes pas à l'origine de ces problèmes-là. Puisque vous savez maintenant que vous n'êtes pas à l'origine de ces problèmes, vous laissez le problème à celui qui vous a fait du mal. Et à ce moment-là, je reste dans l'humilité. Et cette humilité, ce n'est pas s'écraser, c'est garder de la hauteur face à un événement dont je suis victime d'une personne extrêmement mal intentionnée et qui a une jalousie maladive ou une ignorance accrue qui va lui permettre d'agir de la sorte. Parce que finalement, agir de la sorte, c'est se faire du mal, c'est se faire mal voir. La huitième chose que je voulais vous dire, c'est ne liez pas le bonheur à un objet ou à une personne, jamais. Ça veut dire quoi? Ne cherchez pas constamment le partenaire parfait. En permanence, on est en train de chercher le partenaire parfait. Ou le job qui me rendra le plus heureux. Non. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ces facteurs peuvent nous apporter du bonheur, mais ils ne peuvent pas nous apporter une satisfaction. Pas du tout. Pourquoi? Parce que si je perds cette personne-là, je sombre. Si je perds mon emploi, je sombre. Mais si simplement je sais que cela, c'est un moyen pour arriver au bonheur, alors à ce moment-là, c'est un moyen. Si je perds ce moyen, j'en aurai un autre. Mais je n'ai pas à lier là-dessus complètement. La neuvième chose, ne tombez pas dans la jalousie. Tout ça, c'est Zohachir à Saint-Béa Bechalko. C'est suffire de ce que l'on a. C'est-à-dire, il ne faut pas être jaloux de ce que l'autre a. Je ne dois pas être obsédé de ce... parce que je mérite. Je mérite cela. Quand je vois quelque chose chez l'autre, pourquoi pas moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de me dire que je le mérite? Non, pas du tout. Il faut simplement nous efforcer d'être reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Et c'est ça, Samea Behelko. Et bien sûr, la dernière chose que je voulais vous dire, qui est très importante et vraiment essentielle, chers amis, c'est réserver du temps à votre famille et à vos amis.
lorsqu'on réserve du temps à notre famille et à nos amis, à ce moment-là, on a un bonheur extraordinaire. On retrouve ce qu'on appelle le tout, le col de Yaakov Avinu. C'est quoi le col de Yaakov Avinu? Ça veut dire que j'ai tout. Ça veut dire que finalement, je suis envoyé par un bonheur, par un esprit constructif, parce que je veux construire ma famille, je veux construire une amitié autour de moi. Je veux trouver du temps pour être avec ma famille, avec mes amis, qui m'aiment et que j'aime. Je vais leur parler de mes attentes, de mes espoirs, de mes problèmes, de mes rêves. Partager, c'est aimer. Partager, c'est respecter. Partager, c'est apprécier la personne à laquelle on partage ce qui nous est très intime. C'est pour cela, chers amis, que lorsqu'on revoit les Béni Israël, lorsqu'ils étaient dans la paracha de Béalotra, ils ont dit à Moshe, on se souvient en Égypte, on mangeait des pastèques, on mangeait des cailles, on mangeait des ci, on mangeait des cela. Mais Rachid, on pose la question, mais ça ne va pas, c'est un mensonge. Depuis quand ils ont mangé quoi que ce soit? La manne était meilleure. En Égypte, ils se faisaient battre. C'était que des tortures. Ils ne mangeaient rien là-bas. Pourquoi les Israélites disent à Moshe, on se souvient en Égypte, on mangeait tellement de choses extraordinaires. Voilà, qu'est-ce qu'on mange ici? On mange que de la manne. C'est exactement la réaction de celui qui ne se suffit pas de ce qu'il a. Les Béni Israël à cette époque, c'est exactement l'exemple vivant. Le contraire de Yaakov. La manne représente tout. Yeshli kol, j'ai tout. Parce que j'ai la bracha d'Akadosh Baruch Hu. J'ai la satisfaction de ce que je mange. J'ai l'opulence. Je suis rassasié parce qu'Hachem connaît ce que, dont j'ai besoin. Donc il m'envoie exactement ce dont j'ai besoin. Mais malgré tout, on va chercher autre chose. On veut des cailles. Et pour avoir autre chose, on devient menteur. Et c'est là-dessus que je voulais terminer. On commence à fabuler. On commence à dire des idioties, des bêtises, des mensonges qui font que la personne est discréditée aux yeux de sa famille et de ses amis et de sa communauté. C'est pour cela, en étant toujours content de son sort, en étant toujours dans le contentement et dans se suffire de ce qu'Hachem nous a donné, en se disant le matin, je me suis réveillé, le matin, je peux marcher, le matin, je peux manger, faire mes brachot, mettre des tefillines, je peux aller à la synagogue faire la tefillah, je peux venir prendre dans mes bras ma femme et mes enfants et parler avec eux, partager, leur donner une partie de moi pour qu'ils puissent devenir, eux, un être à part entière. C'est un bonheur incommensurable qui fait que je suis le plus grand milliardaire du monde parce que je n'ai pas de jalousie, je n'ai pas d'égoïsme, je ne suis pas narcissique, parce que je ne regarde pas l'autre, parce que je ne suis pas un suiveur, je ne suis pas un copieur de société, de ce qu'elle veut me véhiculer. Je suis quelqu'un qui a de la personnalité. Je suis Yaakov Avinu. Je suis un enfant de Yaakov Avinu. Je suis un enfant d'Israël. Je suis un enfant d'Israël qui dit à Esav, non, va ani et nahalali iti. Moi, je vais aller à ma cadence. La cadence qu'Hachem a voulu pour moi, je l'accepte et j'en suis le plus heureux du monde. Toi, Eshlecha Rav, toi, tu n'as pas assez. Va-t'en. Va chercher ailleurs ce que tu n'as pas assez. Moi, je ne vis pas de cette manière. Le juif, pour conclure, chers amis, le juif qui ne se contente pas de ce qu'il a, c'est un homme qui est Khoser Emouna. Khoser Emouna. Il n'a pas de confiance en Hachem. C'est quelqu'un qui ne sera jamais dans le bonheur. C'est quelqu'un qui fera souffrir tout le monde. Il ne se rendra même pas compte qu'il est malheureux, qu'il sera mal vu par tout le monde. Il sera le seul à se dire qu'il est bien vu. Il sera le seul à se dire qu'il est quelqu'un. Et donc, il va s'autodétruire. Mutsi'in et Adam min ha'olam. Il s'autodétruit. Il se marginalise. Il disparaît. Ça veut disparaître, ça ne veut pas dire disparaît de manière physique. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de lui. Il n'est pas intéressant. Il est inintéressant pour des sujets importants. Il serait intéressant pour lui dire donne-moi le sel et donne-moi le coca. Il sera inintéressant pour les choses les plus importantes qui font construire une vie à un homme. C'est pour cela, chers amis, contentons-nous de ce qu'Hachem nous donne. C'est une forme de nimouna, une forme de force. C'est l'héritage de Yaakov Avinu, l'héritage d'Israël. Et nous sommes, vous êtes tous les béné Israël, les enfants de celui qui a tenu tête à Lavan et à Essav pour dire non, on n'a pas à envahir le monde pour prendre, prendre, prendre.
Nous sommes simplement en train de recevoir ce qu'Hachem nous donne. On se contente de cela. Parce que la bracha, elle est dedans. La bracha, elle est là. Le bonheur, il est là. Et vous êtes là avec moi, Baruch Hashem. Et on est tous dans le bonheur, Baruch Hashem. Qu'Hachem vous bénisse, vous protège. Que ce Dvar Torah soit vous protège. Et que le Zechut, l'Admour de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, Shner Sanzret Tzadik, Kadosh Baracha, soit une source de bénédiction pour vous, pour vos familles, pour vos proches et pour toute la communauté d'Israël. Amen et Amen. Passez une bonne soirée. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Auriel, Michael, on va allumer les micros pour se dire au revoir et voilà. Mazal, merci Mazal. Michael, on allume le micro. Michael, Auriel, on allume le micro pour se dire au revoir. Michael. Merci Alain, merci beaucoup Alain, merci Bella, Toda Rabba, très gentil à vous. J'espère que Meir Ediri, merci beaucoup. J'espère que je vous ai apporté quelque chose, des pistes de réflexion pour essayer de grandir. On grandit ensemble, on élève un peu le niveau ensemble pour essayer d'apporter un maximum de choses. J'espère que le message a été clair et que j'ai été clair. En tout cas, si ça peut apporter un certain bonheur aux uns et aux autres, sachez que ce Dvar Torah m'était adressé d'abord à moi et ensuite à vous. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de votre attention. Michael, Auriel, tu me remets les micros, s'il te plaît, que je puisse… Non, ils ne sont pas là. Bon, Thomas, j'aurais bien voulu vous entendre et vous remercier d'être là. Ça va, Loul. C'est moi, je vous mets les micros. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ? Vous pouvez parler.